Ici, nous sommes dans les vergers de Solty, donc autour de vous, il y a 30 hectares. Cultiver des pommes et des poires, c'est chouchouter les vergers, donc faire tout ce qui est possible pour avoir une production qui soit durable, faire attention à la façon dont on cultive, trouver des alternatives à la culture. On chouchoute la nature, pourquoi pas ne pas le faire aussi au niveau des hommes, au niveau des équipes. Donc c'était presque naturel d'apporter aux collaborateurs, en tout cas de remettre au cœur du process de l'entreprise, certes l'environnement, mais aussi l'épanouissement des collaborateurs. Nous, dans les métiers de l'agroalimentaire, et notamment dans les fruits et légumes et la cueillette, on est soumis à des gros problèmes physiques, parce que c'est des métiers difficiles. Donc globalement, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un réveil musculaire. Donc avec la médecine du travail, avec un ergonome spécialiste du sport, qui a diagnostiqué tous les postes, ce qui a permis, en 6 mois de temps, de diminuer par 2 toutes les douleurs ressenties par les collaborateurs, et surtout, cerise sur le gâteau, de ne plus avoir d'arrêt de travail lié au TMS. Et donc des accidents de travail qui ont complètement diminué, qui sont même passés pour l'année 2017 à 0. Les personnes participent tous les mois, lors d'une réunion mensuelle, à l'élaboration d'un plan d'action et d'action qu'on doit mettre en place tout au long de l'année pour justement véhiculer ce bien-être, cet épanouissement. Un équipier qui est passionné par son boulot, en tout cas, qui est bien dans son entreprise, fera un bon travail et mettra tout son cœur dans son boulot. Donc forcément, ça se ressentira sur la façon dont il a géré le produit de sa cueillette jusqu'à sa distribution. Et forcément, le client, soit le consommateur, comme nos clients directs, que sont les acheteurs en grande et moyenne surface, ressentent aussi la relation que l'on a avec eux et justement le plus, le supplément d'âme qu'on apporte dans notre boulot au quotidien.